Bonjour, alors ici nous sommes aujourd'hui à l'Eura Bio, magasin bio à Martava, donc un très grand merci à eux qui nous ont permis de filmer dans leurs locaux. Donc on va parler des hydrates de carbone et c'est par exemple si vous voulez avoir un mode de vie sain ou si vous suivez un entraînement régulier, quotidien, pour atteindre vos objectifs de fitness. Vous comprenez, c'est important, la nutrition et l'entraînement, ils vont bien ensemble. Donc voilà, donc tout simplement, il y a aussi des pâtes sans gluten. Donc les pâtes sans gluten, c'est vraiment pas mal du tout. Moi personnellement, avant j'aimais beaucoup les pâtes et quand on m'a dit... quand j'ai décidé d'arrêter les pâtes parce qu'il y a du gluten dedans, donc c'est pas la meilleure chose pour moi. Donc tout simplement, j'ai décidé de manger des pâtes sans gluten et j'ai vu la différence. Donc voilà. Très bien. Hop là. On met ça à sa place. Tout simplement aussi, maintenant. Voilà. Des galettes de riz. Donc les galettes de riz, c'est très bien, comme en cas le matin ou l'après-midi. Vous pouvez même voir des petites variantes, des galettes de riz avec du riz, du chocolat volé. Très bien, voilà comme ça. Très bien. Maintenant, on va aller dans un autre rayon, car je vous expliquais d'autres différents genres d'hydrates de carbone. Très bien. Ici, vous voyez par exemple, il y a du riz complet. Donc, le riz complet, c'est pas mal du tout. D'accord. Donc, voilà. Ça, je vous donne tous des exemples, bien sûr, pour pas que vous ennuyez, pour pas toujours manger la même chose. Voilà, du riz complet. C'est pas mal du tout. Il y a beaucoup de fibres, donc ça aide bien à nettoyer le ventre aussi. D'intestin. Maintenant, il y a le quinoa. Le quinoa qui est pas mal du tout. D'accord. Donc, il est officiellement du sans gluten, donc c'est vraiment pas mal. Bon, voilà. Après, je veux dire, les exemples, il y en a beaucoup, mais au moins avec tous ces petits exemples-là, hein, j'espère que vous allez bien atteindre vos objectifs de fitness. Car rappelez-vous, la nutrition et l'entraînement, ça va ensemble. Hi everybody, how's it going? So today we're in L'Eura Bio. It's an organic shop in France, in Martinva. Right, so today I'm going to talk about the carbohydrates and what does it do to you. Why I'm going to talk to you about this? Because if you follow, let's say, a workout routine, right? So, but remember, nutrition, eating healthy, healthy, eating properly and train properly, that's how you're going to get to your fitness goals, all right? So right now I'm just going to give you some advices. So, as you can see here, this is a gluten-free pasta. Personally, I really loved pasta before, so I just decided to eat without gluten and I really see the difference. Well, I still can enjoy, right? Because we remember as well, it's not prison. You gotta enjoy what you eat. All right. Now, right now, we're gonna talk about like snacks. So as morning snacks, you can have like some rice cake, right here, some rice cake for morning, afternoon snacks. If you want a little bit more sugar in it, that's fine. I mean, if you want it a little more sweet, taste in your mouth, you can have it with some chocolate. It's in French, but it's like a rice cake with chocolate coating on it, on the top. So right now, I'm going to give you some more advices. I mean, some more example of complex carbohydrates. As you can see right now, this is brown rice. Brown rice is really rich in fiber, so it's going to help you to will cleanse your intestines a lot. All right. I'm going to show you more example because there's a lot of it, so I don't want to give. Make sure I don't want to give you too much. You can see here. This is rye rice. This is long grain wild rice. This is very good. And here, this is quinoa. Personally, quinoa salad is very good. So this is a really good example, and it's gluten-free as well, all right? So here we go.